Good morning, allez, Iden et le Sustra aujourd'hui, le Nishmat, François Fajid Ben Hanak, Janine Ruth, Bafot, le Mazafrina, Clochom Ben Shalom, Ishaya Ben Linda et Amram Ben Sulika. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, Perek Vav, Mishnah Vav. Ayu Yoshevin le Echol, Kol Echad ve Echad Mevarech le Atzmo. Hesebu, Echad Mevarech le Chulan. Balaem Yain Betoch Amazon, Kol Echad ve Echad Mevarech le Atzmo. Le Achar Amazon, Echad Mevarech le Chulam. Ve Omer al Amugmar, Afalpi, Shein Mevim et Amugmar, Ela le Achar Aseuda. Je commence à traduire directement. Ayu Yoshevin le Echol. Il y avait plusieurs personnes qui étaient assises en train de manger, qui se sont plutôt, on va dire, qui se sont installés pour manger. Imaginez une heure de repas au travail, au kollel, au Beit HaMidrash. Chacun, il sort sa petite barquette et commence, s'apprête à manger. Eh bien, la Mishnah me dit, « Kol echad v'echad mevarech l'atzmo. » Chacun devra prononcer la bracha personnellement pour lui-même. Par contre, « Hesebu », si ce sont adossé, accoudé, alors Echad Mevarech Lechulan, un prononcera la bracha pour tout le monde. J'explique de quoi ça passe, pas très compliqué. C'est que vous savez bien que quand je prenais Shabbat, il y en a un qui prononce le Kiddush et il acquitte tout le monde. Un qui prononce la bracha du Motsi et il acquitte tout le monde. D'accord? Tous ceux qui sont assis en ce moment sur sa table. Pour quelle raison? Pourquoi on procède comme ça? D'abord parce qu'on a une règle que Shomea Keone, celui qui écoute une bracha, c'est comme si qu'il a prononcé. Et dans ce cas-là, lorsqu'on est plusieurs à accomplir une mitzvah tous ensemble, ou à faire un repas tous ensemble, à prononcer une bracha tous ensemble, alors c'est plus valorisé qu'on a un qui fasse la bracha pour tout le monde, et tout le monde se concentre et répond Amen après sa bracha. Comme ça, Berov Am Adrat Meler. Plus on est nombreux à accomplir une mitzvah, plus ça fait de l'honneur au roi. Berov Am, avec une quantité de peuple, plus il y aura du peuple, Hadrat Meler, par là, le Meler, il est Mehouda, il est plus glorifié, plus honoré. D'accord? Maintenant, ça c'est à condition qu'on est Bémet tous ensemble. Par contre, si on est des individuels, imaginez, on va prendre un cas un peu plus grossier avant d'arriver au cas de notre Mishnah. Imaginez, moi je suis, c'est moi, chez moi, dans mon salon, je me prête à faire chez Akol, et j'entends mon voisin de. Qui est sur son balcon, qui s'apprête aussi à faire chez Akol, et qui dit à sa femme, attends, donne-moi le verre de coca, attends, je vais faire la bracha, et je lui dis, acquitte-moi de la bracha, j'ai pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de boire ensemble. Toute l'histoire de Berov, Amadrat Meler, c'est bien qu'il y en a un qui prononce la bracha pour tout le monde, c'est qu'on est tous ensemble. Mais si on est chacun des individuels, alors il ne faut pas qu'il y en ait un qui acquitte l'autre par la bracha. Même si concrètement ça peut marcher, si on précise qu'on le fait, on s'acquitte. Mais puisqu'on n'est pas ensemble, alors chacun doit prononcer sa bracha tout seul, a priori. En l'occurrence, je reviens maintenant sur le cas du kollel, c'est l'heure à 1h15, 1h30, chacun sort sa petite gamelle, va s'apprêter à faire sa bracha. On n'est pas en train de manger tous ensemble, même si on est au même moment, on est tous plus ou moins autour d'une table, on n'est pas, il n'y a rien qui nous unit, on ne s'apprête pas à parler à chacun avec l'autre, on a chacun son petit livre, chacun son... ses occupations, ses pensées pendant le repas. D'accord? Donc, chacun il fait sa bracha tout seul. Par contre, si c'est vous, si ce sont accoudés, ça signifie que maintenant, c'est exprimé à l'époque, le fait de s'accouder quand on s'apprêtait à faire un repas tous ensemble. Ouais, on va être en détente, on va prendre le temps. Alors là, vous êtes maintenant tous ensemble, il fait la bracha pour tous. D'accord? Maintenant, c'est pas obligé d'être forcément accoudé, ça suffit aussi d'avoir une intention de le faire ensemble. Comme il nous rapporte le Bartenora au nom de la Gemara, si on a dit, allez, venons, on s'assoit manger tous. Le simple fait qu'on a dit qu'on allait s'asseoir manger, j'ai appelé les gens du kollel, venons, s'assoit tous manger, on va discuter un petit peu sur le sujet. Même si on ne s'accoute pas, il accoute et il acquitte. Par sa bracha, il acquitte les autres. D'accord? On continue. Ba'alaem yain betor hamazon, kol echad ve'echad mevarech l'atzmo. On est maintenant dans un repas, tous ensemble en train de manger. Et on apporte du vin, selon le principe, en théorie. Il aurait fallu que un fasse la bracha pour tous, puisqu'on est tous ensemble maintenant. Donc on apporte du vin, on sert tous un verre de vin. En théorie, on aurait dû dire, je fais la bracha, j'ai acquis tout le monde. Mais non, il ne faut pas le faire. Par contre, si on est les achar Amazon, une fois qu'on a fini de manger,
Alors, Echad Mevarech Lekulan, ça ne veut pas forcément dire après le Birkat Amazon, quand il crée l'Achar Amazon, c'est après qu'on a fini de manger. Le problème, en fait, c'est très simple. Il y a une grande règle qu'il ne faut pas parler pendant le repas. Il ne faut pas parler pendant qu'on boit. Pourquoi ? De peur qu'on va avaler de travers, les Yagdin Kadé, la véchette, et que la nourriture va passer dans la trachée artère, plutôt que de passer dans l'œsophage, et on peut mourir étouffé. Et je ne sais pas si je les ai dit, mais j'ai connu une personne qui est morte étouffée en mangeant. Ça signifie que c'est quelque chose qui existe. C'est pas quand Ramil nous dit qu'il ne faut pas parler pendant qu'on mange, parce que réellement, il peut y avoir. Après, je ne sais pas si biologiquement ça s'explique de la même manière dans la Gemara, ça a apporté qu'il y ait un petit kova sur la trachée artère, apparemment quelque chose qui oriente, soit un qui se lève, soit qui couvre l'autre. Et quand on se parle et que la nourriture elle va entrer, ça peut entrer dedans, donc forcément il ne faut pas. On peut manger de tout faire, de chaleur. En l'occurrence, on est dans un repas, on apporte du vin, en théorie, un aurait dû faire la bracha pour tous. Le problème, il est que peut-être que l'autre n'a pas fini de manger. Et qui va répondre amen après ma bracha, il va aller travers. Si c'est ça, chacun il fait la bracha tout seul, il n'y en a pas un qui fasse la bracha pour tous. D'accord ? Par contre, si on a fini de manger, une fois qu'on a fini de manger, on est en train de déguster un petit vin, un dessert, alors là, Echad Mevarech Lekulan. La Mishnah conclut en disant Veo Omer à la Mugmar, Afalpi, Shen Mevin à la Mugmar, et à Mugmar, et là, la Chara Seouda. Et il prononcera aussi la bracha sur le Mugmar. La Mugmar, c'est des encens. Après avoir mangé, c'était l'époque. À l'époque, on apportait des encens, je ne sais pas exactement quel était le principe. J'imagine c'est comme une bonne cigarette après avoir mangé un repas gras, ou je ne sais pas, ceux qui fument apparemment. Une fois qu'on a fini de manger, il faut digérer avec une cigarette. Alors à l'époque, eh ben, il fallait digérer avec des encens. Et donc, on devait. Alors maintenant, pour prononcer la bracha sur le Mugmar, alors il pourra dire la bracha, il faudra qu'un dise la bracha pour tous. Et acquise la bracha sur les encens. Afalpi, Shein, Mevin, et Mugmar, et la lachar, soda, mais avec un grand kedush là. C'est qu'on apporte le Mugmar, on apporte cet encens là, après qu'on a fini le Birkat Amazon. Malgré tout, on est encore tous installés autour de la même table. Et une fois qu'on a fini le Birkat Amazon, on apporte l'encens maintenant pour la pipe, ou je sais pas, la cigarette, ou l'encens. Eh bien. Et dans ce cas-là, il faudra faire la bracha sur l'encens, c'est la bracha de Borel Atsebessamim. Oui, on fait brûler des bois Bessamim pour le sentir, donc on fait la bracha sur le Mugmar. Bien qu'on apporte ces encens, les Achara Seouda, après qu'on a fini même le Birkat Amazon, malgré tout, un fera la bracha pour acquérir tout le monde. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine. La Tzlacha colle tout le monde, c'est là.